Coucou mes chéris, bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous, allô c'est Barbie Chétif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1702e review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout puisqu'il s'agit de Massimo. C'est le premier, alors c'est soi-disant, ça devait être le Ghouls and Ghosts 3D, mais je suis plus trop sûr, donc je l'ai dit juste pour faire bien. Ghost to Glory, mais il y en a un deuxième que j'ai aussi. Army of Zin, je crois, si je dis pas de conneries. Mais sur le. C'est pas marqué. Le sous-titre n'est que dans l'écran de titre et pas sur la jaquette. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter? J'espère que le jeu sera cool et agréable. Il n'y a pas de raison. Comme Comensa Nueva Partita. On est sur PS2, simplement 2. C'est le genre de cinématique, elle est pas pire que sur Switch. Quand vous jouez à un jeu Switch version portable, vous avez ce genre de graphisme-là, donc... Oui, une VF, c'est déjà pas mal. Alors je parcours un petit peu la notice pendant que lance le truc. Bon, elle est en noir et blanc, mais elle a le mérite d'exister. Il y a plusieurs attaques. Coup en haut, coup en bas, saut unique, double saut, blocage. Comme Mortal Kombat avec R2. Les amateurs du professionnalisme apprécieront. On a les personnages. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? On aurait une barre de statut. C'est peut-être un peu RPG. Il y aura des power-ups, des épées de bouclier, des clés. Des objets d'esprit, des objets spéciaux. Bon, ben. Après, il y aura plusieurs monstres et plusieurs royaumes. Bon, ça m'a l'air pas trop mal sur le papier comme ça. C'est Capcom, donc ça peut être pas trop mal fait. Ok, voilà, après j'ai rien d'autre à raconter. C'est les vacances, voilà, c'est génial. Une belle voix. Il a fait un pacte. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est un méchant qui aide un gentil. Un peu d'humour. Ils ont même pas trouvé de punchline à lui faire dire. Ok. 40 armes et objets. Bon, c'est déjà plus que dans Sekiro. Des mondes en 3D. Alors, est-ce que le jeu déjà, on joue le stick analogique? Oh putain, ça c'est bon. Ah, la musique, attends, je vais remonter un petit peu. Yeah, ça c'est bon. Alors, carré. Oh putain. Ouais, j'aime bien. Graphiquement, ça me plaît. On bloque. Et il y a une musique qui reprend un petit peu le début de Ghouls and Ghosts. Et la petite blague. Alors, par contre, la caméra est trop proche. On va appuyer sur Select. Ah, on peut pas changer la caméra là, la caméra est trop proche, ça fait qu'à caméra là. Bon putain, attention là. Par contre, ouais, c'est un peu mou, attendez. On peut jouer à la voilà, stick analogique ou avec la manette, je préfère la manette. Par contre, si on fait la manette, attendez. Non, stick analogique droit ne marche pas pour la caméra, donc je préfère jouer à la manette. Fromage de poing. Fromage de pied, d'accord, la vanne. Bon, je vais peut-être remettre en stick. Nanana, nanana. Coffre à catch. Non, ça marche pas. Voilà. Là, il y a déjà plus de choses à fouiller que dans Sekiro. Ça fait aussi. Attends. Ah, on pouvait faire le double saut. D'accord, je vais faire de là-bas alors. Non, graphiquement, c'est pas trop dégueu. Hein. Bon, moi, la capture est mauvaise, mais je trouve que là, il n'y a pas trop de. Attendez. Ouais! Youhou! Il n'y a pas trop d'aliasing. On a des gros sprites bien costauds là. Ça fait beau. On dirait du PS. Ah, voilà, il faut l'appuyer sur. On dirait du gros sprite. On dirait de la PS1, mais remasterisée, mais dans le bon sens du terme. Hein. Pour l'instant, on va me dire, mais quel est l'intérêt de faire ça? Ben, dans Sekiro, vous avez la même chose, mais en moins bien. Et sorti 20 ans plus tard. Oh putain, attention. Même les ombres au truc sont bien faites.
Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu PS2 simplement 2, mais là, hop là, bravo. Et là j'ai la clé, le Clao. Yes! Putain, ça c'est beau. Déjà, il y a plus de choses à récupérer que dans Sekiro. D'accord, on pourra revenir après. Oh, ce qui manque pour le moment, c'est. Waouh, putain! Une bourse pour deux pièces. C'est juste la caméra libre à droite avec le stick analogique droit. Il n'y a que ça qui me manque. Et peut-être que. Voilà, déjà, on voit que le personnage est un peu plus loin. Donc pour l'instant, bah, ça m'a l'air pas trop mal. Tant que la capture marche, oui. Ouais, ça nous manque de pouvoir regarder. Attendez, peut-être. Ah oui, en fait, avec. Ah, voilà. Avec R1, on a la caméra semi au-dessus de l'épaule. C'était dans les jeux PS1 aussi. C'est pas trop mal, en fait. C'est un peu plus rapide, un peu plus nerveux qu'une vue subjective, finalement. Et ça pallie le fait qu'il manque la caméra libre. Donc, ça, voilà. Déjà, c'est pas mal. Ça compense. Ils ont quand même pensé à des trucs. Ça compense et c'est con, ils ont pensé à des trucs. Premier checkpoint. Après, c'est plus stable que Medieval, les combats. Mais on a l'impression de moins partir à l'aventure, c'est un peu trop stable. Oh putain, attention là-haut. Là, c'est les esprits, j'imagine, ou les Yoki dans. Les fées dans. Zelda, Link to the. Qu'est-ce que je dis? Ocarina of Time. Est-ce qu'on peut. Voilà. Oui, c'est interactif parce qu'il fait une. Il fait une animation spéciale, spécifique quand on tape. Oui, y a pas ça dans Sekiro. Là, c'est avec carré qu'on ouvre un coffre à catch. Alors, on va aller dans l'inventaire, non? Peut-être. C'est quel bouton qu'on change les armes? Ça se fait automatiquement, je crois qu'on avait un. Voilà. Ta 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 ta, ça repique. En même temps, c'est Capcom. Peut-être que c'est ça, ils ont eu le droit. Puisque c'était Capcom aussi qui a fait. Ah ben voilà, c'était carré en fait. Pour ouvrir les clés. Pour ouvrir les cadenas, c'est carré. Ah, ça y est, ça commence. Prends ça directement dans la face de Chris Jericho. Ça y est, ils arrivent les méchants. Ça y est, on est dans le jeu là. Non, c'est bon en plus les. Avec les mains à la thriller de Michael Jackson. Et en plus, on est arrêté, on est ralenti. Non, non, mais il y a plein de petits trucs comme ça. Déjà, en même pas 5 minutes, 8 minutes, il y a plus de potentiel que dans Sekiro. Plus d'idées, plus de trouvailles. Là, on peut pas les casser. Est-ce que ça peut être un ennemi? Waouh! Le fromage de pied, ça va être long. On peut pas. Ah oui, c'est après le double saut qu'on peut faire l'attaque verticale. Alors, il n'y a pas de carte. Pour l'instant, les ennemis. Alors, on peut pas loquer Maya. On ne peut pas loquer les ennemis de Maya, mais c'est. Ah, là, il nous a eu par surprise, mais ça, c'est le but un peu, parce que sinon, si c'est trop facile. Oh putain, il y a l'épée de feu là. Oh putain, le mec. Pousse-toi, aïe! Voilà, il y a des trucs, des pièges. Il est où? Ouais, la caméra est trop proche là. Aïe, 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 un peu de plateforme. Ah, il y a tout, il y a action plateforme, il y a un univers qui fait que c'est cool. Bon, le personnage il fait un peu trop genre idéal, il est un peu trop. J'allais dire stérile. Hein. Aïe! Voilà, je l'ai buté ce fils d'up. J'arrive pas, il est un peu pas stérile là, comment dire, insipide. Tout propre sur lui, c'est un peu nul quoi. Allez, il arrive. Attention, là ça se casse. Je sais plus, ça me fait penser à, je sais plus dans quoi. Il y a les trucs qui se cassent comme ça. Par contre, allez, on perd du.
Ouais, il fallait se positionner contre l'ennemi, sinon ça marchait pas le blocage. Là, il y a un truc caché, regardez-moi ça. Il y a un truc caché, voilà. Vite, 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 prends la Claw. Voilà, il y a de l'exploration, plus que dans Sekiro. Je veux pas, là, il y a la plante qui bouge. Il y a une interaction avec le décor. Il faut attendre qu'il fasse un mimimique. Un mimique-matique. Un sous-sou dans la popoche. Non, non, pour l'instant c'est tout bon, hein, Jacques. Je pensais pas que ça serait, que ça me paierait comme ça. Parce qu'on joue tellement à des jeux de merde en ce moment que finalement... Elle pense ça. Que là on se rend compte que finalement c'était mieux avant. Et pas qu'en jeu vidéo. Et voilà, il y a un truc caché en dessous. Qu'on voyait pas. Attention, voilà, ça j'aime bien. Ça c'est de la 3D. Voilà, ça c'est de la 3D. Il n'y a pas ça dans Sekiro. Alors attends. Waouh, la caméra subjective. Ça c'est quand on est dans un truc, on n'a pas la caméra sur l'épaule. Donc ils ont compensé, ils ont dit hop, on n'aura pas. Tant pis, il n'y aura pas de bug de caméra avec nous. Nous c'est Capcom, on n'est pas From Software, donc c'est bon. Ouais, il y a des... Voilà, boum. Oh, ça commence à être chaud là. Ça c'est bon. Oh putain, nouvelle épée. Aïe 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 aïe. Non, on peut pas lui. Ça fait partie du décor. Mais non, je suis con, j'avais pas vu. Pour l'instant, il n'y a que le blocage que je suis pas à l'aise avec. Voilà ça. Ça, c'est beau. Voilà, il y a le... Putain, il y a le ciel et tout qui tourbillonne. À la Kingsfield, mais encore mieux. Voilà, ça bouge pas, il n'y a que les nuages qui tourbillonnent. Non, non, c'est du bon. Hein. Très, très bon, bon boulot, ça. Tout vient à qui, à point à qui c'est attendre. Attends. Avec la pluie, les orages. Putain, les trucs. Yes, avec l'orage, les machins, les événements. Un peu comme dans MotorStorm à Apocalypse. Il y a l'eau qui bouge et tout. Bon, sûr, c'est pas Wave Race 64, mais. Waouh! Là, regardez-moi ça, ça bouge et tout. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Plouf! Checkpoint White. Quoi, je recommence pas du tout au début là. Non, là, quoi? Non, alors là c'est le point négatif ça. Non. Il me faut recommencer du tout début ces fils d'up. Non, là ça j'aime pas. Attends, il y avait un checkpoint. Hein. Alors peut-être qu'il fallait appuyer sur un bouton, oui, j'ai peut-être pas fait ça, mais c'était pas assez clair. Je crois qu'il fallait se positionner à côté. Bon. Encore un bon gameplay. Allez, dépêche-toi vite. Vite, voilà, j'ai l'armure. Bon, on va peut-être appuyer sur carré. Et c'est quoi le checkpoint? Pourquoi il me... On peut s'accroupir. Start. Je veux juste regarder la notice parce que est-ce qu'il y a un checkpoint? Il faut appuyer sur un bouton particulier ou pour commande de base, blocage, attaque rotative 360. Ce sont les checkpoints. Mort de statut, co. Power up, ils mettent pas. Hein. Sauvegarde des chargements. Non, c'est ça. Bon. En même temps, ça m'avait gardé. Je crois que ça m'a gardé le truc que j'ai gagné en bas à gauche, ouais, voilà, la capacité. Attendez, appuyez sur X pendant que vous vous déplacez, Mario.
Ah voilà, ça y est, c'est l'attaque des stocks. Là, ça me remet juste le checkpoint, j'ai pas compris à quoi ça servait puisque ça me renvoie pas au dernier checkpoint. Ça m'oblige à tout refaire. Mais bon, c'est un checkpoint. Oh là là. Pas trop capté leur concept du checkpoint qui n'en est pas un. Alors, ça manque d'un bouton pour courir aussi. Allez, mets-toi en phase. Et bien aussi parce que vous voyez que là c'est penché. La caméra elle est penchée. Et ça rajoute aussi l'effet bizarre. Donc ça c'est une bonne idée. Donc je refais pas. Oui, ça m'a gardé en plus. À quoi sert le bouclier si quand je bloque je reçois quand même le coucou? Pousse-toi! Crève. Hop là, attention. On va avancer un petit peu. Aïe! Prends ça! Aïe! Ouille! Non, 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 non. Elle tombe pas là. Cours, 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 cours. Vite, 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 cours, 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 cours. Il y a le con là. Oh putain, attention là, cours. Ouais, c'est le deuxième. Mais quelle est cette histoire de checkpoint, je comprends. Ouah, les éclairs, la pluie, POV. POV OG. Crève, hein. Ouf! Ouah, l'éclair. Non, là au moins on sait pourquoi on avance, quoi. Ouais, on peut l'écraser au sol et ça nous donne 3 pièces au lieu d'une. Ça, c'est bon. D'où l'intérêt d'utiliser. Saute! Voilà! La potion. Cours, cours! Allez, putain, ça au moins c'est de la mise en scène, putain! Il court, 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 je suis à poil là! Putain, la vanne avec les caleçons et tout. Mais attaque au sol! Oh putain, j'ai les trois, ça y est. Attaque d'ex-stock. Vite, 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 vite. Oh putain, c'est bon là-haut. Ah, c'était que ça en fait le niveau. Merde, j'ai pas fait en entier. Ça c'est cool parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a plus de... Ben, il y a du level design au moins. Ah, je voyais pas ça comme ça à la fin, je pensais qu'il y aurait un boss. Ok, donc est-ce qu'on peut retourner en arrière? Ou pour? Excusez du niveau. Ouais, on peut retourner, voilà, ça c'est bon. C'est 10 stages en même temps, les temps de chargement sont plutôt courts. Voilà, et là on peut recommencer tranquille au calme. Et là je suis en slip. Tintintintin. Pour faire tout le niveau, non mais c'est bon. Allez, on va revenir. Est-ce qu'on peut par exemple retourner? Ah non, on est obligé de se le terminer une fois. Ah, on peut pas. Non, il n'y a pas option. Aïe aïe aïe, je suis désolé, on va devoir avancer vite vite vite. Et du coup, on va
va juste aller par la droite pour voir s'il n'y a pas... C'est juste pour prendre les claws. Et on va juste aller à droite au lieu d'aller à gauche. Très bonne surprise, je pensais pas qu'il me plairait comme ça. Ils sont pas foutus de notre gueule. Eh merde. Et quand on change le truc, en plus c'est un peu comme Dark Souls, on a la vie en moins. On revient, mais avec la vie, on garde la vie en moins. Tant qu'on n'est pas mort, on regagne pas de la vie quand on change de niveau. Et en plus, foncer, c'est pas la bonne technique non plus. Après, c'est peut-être fait exprès que le bouclier, pour l'instant, il fonctionne mal. Peut-être qu'il y a juste 50% ou 25% de réduction des dégâts. Non, non! Oh purée! Pousse-toi! Là on court, c'est pour aller juste à droite là. Alors. Qu'est-ce que j'aurais pas fait? Non, à droite c'est bon. Non, non, c'est bon. Il y a un côté Bloodborne avec les bras qui nous accrochent au sol là, ça fait peur. Oh putain! Aïe aïe aïe, pousse-toi, pousse-toi. Rentre chez toi, vite, vite, vite. Aïe aïe aïe, donc là on va aller à droite plutôt. Aïe. À moins qu'il y avait que ça. Oui, oui, non, on va aller là-bas, là-bas. Est-ce que de tuer les ennemis, ça participe aussi à la découverte? Parce que j'ai eu que 66%. C'est tout? C'est est-ce que se tuer les ennemis, ça, c'est ça qui rajoute les pourcentages de finition pro? Que je comprends pas. Attends, start. Comment on utilise les coups spéciaux? Parce que les coups spéciaux, commande de base, ok. Power up, on a les flammes. Objets spéciaux, appuyez sur la touche carré. Non, ça c'est les croûtes au prix. Prix d'accès étant objet d'esprit. Trouver les machins. Non, en tout cas, pour l'instant c'est pas encore fait. Ma foi. Ça doit être des power-up, mais. Et pousse-toi! Et pousse-toi! C'est tout, c'est que ça. Bon, bah, je suis un peu déçu. On va faire le stage 2, simplement 2. Après, j'arrête. En tout cas, c'est. J'ai fait 66. Mais est-ce que ça rajoute par rapport à. Ouais, c'est ça. Ah, maîtrise du niveau. Mais c'est-à-dire quoi? Maîtriser les niveaux achevés. Bon, on comprend pas ce que ça veut dire, la maîtrise. Est-ce que veut dire que j'ai récupéré que 68% de ce qu'il y avait à trouver ou... Il y a une nouvelle ambiance avec des cigales. La classe. Attends. Ah voilà, c'est avec. Avec. Putain, waouh, c'est pas mal, hein. Avec R1 et après il y a le stick analogique gauche.
toc. R2, L2, c'est pour s'accroupir, sauf qu'on peut pas avancer. Alors quel est l'intérêt? Et L1, ça fait rien. Pour l'instant, il n'y a pas de musique. Ah, Dark Souls, j'aime pas. Comment tu peux aimer? Il n'y a pas de musique. Là, c'est vrai qu'il y a de la musique. Prends ça. Alors, Kekezako. Oh putain, j'ai trouvé un nouveau truc, yes. Oh putain, niveau 4. Non, 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 moi je veux pas. Ah, par contre, c'est toujours la même musique, ça c'est un peu con. Ta-na-na-na-na-na. Ça m'énerve un peu. Attends, mais c'est dur, n'empêche, hein. Je comprends pas le blocage, comment on marche. Est-ce qu'il y a un guet-apens là? Moi, je m'en fous des sous, je veux de la potion. Voilà, et là j'ai qu'une barre de vie, j'en veux une deuxième. Ça, c'est l'armure en fait. Ouais, non, mais c'est ça, il y a un côté. Gouzen Ghost 3e, mais sans l'aide vraiment, revisité. Avec des trucs perso. Ciao, il y tombe. Il est tombé. Attention. Non, on part à l'aventure. Les trucs qui apparaissent et tout. Yes. À la château de Bowser dans Super Mario Bros. Checkpoint. Un, deux, trois, quatre, c'est passé. Hey, il m'est revenu par derrière, ça c'est beau. Allez, crève charogne. Aïe, 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 aïe. Il y a même une animation de surprise et de recul. Alors, Folmaggio de pied, ce sera quoi? Aïe! Rien caché. Ah, il y a un petit oiseau là. Il y a un... Oui, il y a un côté. Aïe! Un côté guidé, j'arrive pas à expliquer, mais c'est pas grave. Linéaire, mais pas plus que Sekiro, hein, là il y a au moins, il y a moyen. C'est un checkpoint, mais on fait comment pour l'activer? C'est ça que je comprends pas. Il faut s'accroupir. Parce qu'on ne se revient pas au checkpoint. 3, 4, 1, 2, 3. Aïe. Putain, même de dos, il me fait bobo. Aïe, aïe, aïe. Ouais, passage secret. Checkpoint. Waouh.
Aïe aïe aïe, c'est... Oh putain, ça c'est bon. Rentre chez toi. Boum, l'attaque des stocks. Alors là... Ouais, yeah, yeah, yeah. Et là, le checkpoint. C'est ça qui est bien dans ce jeu. Voilà, on a le checkpoint. Donc ça me gave, quitter. Ça me gonfle de pas y avoir des checkpoints qui servent à quelque chose. Gros problème du jeu, c'est qu'on a des checkpoints de merde. Pas trop compris, c'est pas grave. Sur ce, ciao Pipito pour une prochaine vidéo. Il y a plus mes puces.